from my bed. I shake my head. I've done this before. So tell me, darling, once again, what you said and what you swore. 'Cause a sight line goes over the tree line, Lord. It's so much easier letting go when you know that you got nothing to fear. 'Cause you're safely standing miles around, you never see it, because you're nowhere near. While a bomb drops all the way across the sea, all the way to me. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh là là, mon écran il est tout seul. Regardez, on a eu la bonne surprise aujourd'hui de pouvoir recevoir la mini-pelle. Hop, il a arraché toutes les touches. Il va faire le passage là-bas, la plateforme. Et il a fait un gros tas là-bas pour l'instant de souches. On verra ce qu'on fait plus tard avec. Et nous, on a réussi à se poser, voilà. Et bougez pas. Vous savez quoi? Je vais vous mettre la vidéo de quand on est passé là. Allez, je vous la mets maintenant. Oh, il est trop beau. Il a de la gueule hein, quand même. Quel bourrin celui-là! Voilà, vous avez vu, franchement c'était chaud, ça a patiné et tout. J'ai mis plein gaz et c'est passé, moi je te le dis. Alors donc, petit abri de fortune pour le groupe électrogène et les bottes. On est en train de charger le tracteur parce qu'apparemment il ne charge pas trop. Voilà, et ici on est en train d'affûter les chaînes. Parce que hier on a enlevé avant-hier avec Yo-Yo, on a fait je sais plus 35 000 pas, on a brûlé je sais pas combien de calories. On a arraché une dizaine de souches à la main avec un tire-fort qu'on a ruiné et aussi avec le camion. Et franchement on n'en pouvait plus le lendemain et la mini-pelle. Bah aujourd'hui la mini-pelle est arrivée, on a dit oh là là c'est magnifique quand on voit le temps qu'il met à arracher une souche. C'est tout simplement magnifique. Il a commencé à ramener des troncs ici pour faire le pont aussi. Et là, du coup, on affûte les chaînes parce que quand on a arraché les souches hier, j'en avais tellement marre, je voulais rentrer le camion. J'ai carrément été avec la tronçonneuse dans la terre pour couper les racines. Je sais, c'est pas bien. Donc là, session affûtage pendant que le gars il est en train de travailler là-bas avec la pelle. Alors voilà, il est en train de commencer la plateforme. Là, on laisse les arbres, on va les couper au ras parce qu'en fait, ils tiennent le chemin du dessus. Donc, on va pas les arracher, ceux-là. On va descendre comme ça. Et là, on part de niveau sur 10 mètres de large et sur 20 mètres de long. Voilà, pour mettre les camions à l'aise, pour qu'on puisse circuler librement et tout. Pour qu'on soit bien, quoi. Et en plus de niveau, ça, c'est top.
Bon, et bien voilà, le conducteur d'engin est parti. Il revient un petit peu demain matin. Le pont sera pas fait tout de suite parce qu'on a préféré privilégier la plateforme. Comme le camion est déjà dedans, pour l'instant le pont c'est pas super important. Voilà, et vous voyez ce que ça fait. On est super content. Oh, le boulot que ça a été fait, c'est dingue. Quand on voit qu'hier on a failli crever à force d'arracher les souches à la main, tout ça, et que là il a fait ça en 2-2. Oh, hein, les souches qu'on a arrachées à la main et tout. Ça nous a calmé hier. Hein. Ah ouais. On a fait une bonne nuit. Et là, on a vu le temps qu'il a mis pour faire ça. Il a dit, Michel, je leur ai fait la surprise hier soir, j'en ai parlé, et je leur ai fait la surprise de venir ce matin. Ah ouais? C'était sympa. Ouais. Ah, excellent. Voilà, nouvelle journée de boulot. On a commencé à tout déblayer là-bas. Et là, on a coupé des troncs de chêne pour le pont qui sera fait normalement dans la semaine, voire fin de semaine. Et là, hier, on a mis tout ça à l'arrache avec Yo-Yo. Donc je vais tous bien les débiter, les trier suivant les essences. Ouais, enfin, Yo-Yo, il appelle ça du vergne ou de l'aulne, je sais pas trop comment. Il y a du noisetier, on va dire que c'est tout ce qui est bois blanc, enfin voilà, pas trop... Ça brûlera quand même, hein, de toute façon. Ici, on a du boulot, il y a quasiment 3 rangées. Et là, on a 2 rangées de chênes, et ça va continuer à grossir. Et ensuite, là-bas, on a du châtaignier, il y en a encore juste un coupé, le petit qui est là. Parce qu'il est en mauvais état. Et après, c'est quasiment tout en bois et beaucoup de petits chênes là-bas. On laisse ce gros chêne. Après, il y a un frêne qu'on va laisser aussi. Et après, il y aura beaucoup d'arbres fruitiers. Et on a vu là-bas, il y a un tout petit fossé à faire pour emmener l'eau jusque dans la rivière. Si on veut, plus tard, on pourra la capter. Et ça va nous assécher tout le bord. Et c'est pareil, il faudra faire super attention parce que j'avais pas pensé à ça. Mais tout ce qui est biche, il ne faudra pas qu'ils viennent manger nos arbres quand on sera pas là. Donc il faudra qu'on trouve un moyen pour bien les protéger avec un tuyau de PVC ou avec un grillage autour des troncs. Le truc, c'est comme on va en mettre pas mal, ça va faire du boulot, quoi. Ou alors on met un grillage tout autour. J'avais pensé à ça, mettre un genre de grillage, vous savez, les gros grillages forestiers là, pour pas que les bêtes elles aillent dans le verger tout bouffer. Et au pire, un genre de fil électrique. Il faudra que je trouve quelqu'un pour venir faire l'entretien une fois par an ou deux fois par an, un petit coup de gyrobroyeur partout. Parce qu'après, la végétation va repousser. Si là, ça va, on est en hiver. Mais quand le printemps va arriver, je peux vous dire que ça va repousser. Et il faudra tondre régulièrement pour que l'herbe revienne. Et après, ça fera propre. Il n'y aura plus les ronces qui vont pousser. Ça sera de l'herbe. Salut à tous! Salut à tous! Salut à tous! On te voit pas, toi, faut que tu montes sur le tronc. Et tu parles fort parce que le micro il est auprès du téléphone. Vous avez vu, en ce moment on fait que de se servir du téléphone parce qu'il pleut sans arrêt. Et on sort. On sort beaucoup moins l'appareil. Mais franchement ça marche bien. Je sais pas si je peux brancher mon Rode sur mon Note 10. Ça serait trop bien de pouvoir brancher mon micro sur le téléphone. Voilà. Alors, aujourd'hui on essaie de ramener le tronc là-bas. Il y a le camion qui est ici. Je sais pas si vous voyez le treuil. Il y a une poulie de mouflage sur l'arbre là-bas. Et une note en hauteur sur l'arbre là-bas. Pourquoi en hauteur? Pour que ça lève légèrement le tronc pour l'emmener jusque au-dessus de la rivière. On avait un gros chêne que j'ai traîné ici, mais on l'a encore coupé trop court. Donc heureusement, j'en avais prévu d'autres. Et ça, c'est les petits troncs qui vont aller en... Non, ceux-là, ils vont comme ça aussi. Voilà. On va en mettre plein comme ça, et après plein comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Et il y aura une jambe de force au milieu qui va descendre au milieu de la rivière, juste un gros poteau de chêne. Pour tenir le tout. Avec ça, si ça tient pas, je comprends pas. Voilà, allez hop, au boulot, attention. Thank you.
journée difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a pas arrêté de pleuvoir. On a commencé à, vous avez vu, à fabriquer le pont et je ne sais pas si ça va, je sais pas si ça va bien fonctionner. Parce qu'en fait, il est assez haut. Alors ici, c'est pas grave, on va pouvoir mettre du remblai, on en a au fond du terrain. Mais c'est là-bas, je me dis, il faudrait peut-être descendre un petit peu. On va voir comment on va faire. Vous avez vu, là, il y a une voiture de location. Mais qui sait que ça peut bien être? En fait, c'est la chaîne 1839 qui sont venus faire un portrait sur nous. Et leur portrait va sortir vendredi. Là, vendredi. Donc, allez sur leur chaîne 18H39. 18h39. Voilà, ça, c'est simple à retenir. Et voilà, on a été en tournage toute la matinée, une petite partie de l'après-midi. Donc ça devrait être pas mal, ce petit reportage. J'ai hâte de le voir. Bon, on n'était pas dans des conditions optimales parce qu'on est dans la boue, il pleut. On va voir s'ils arrivent à faire quelque chose de sympa. Voilà. Les journalistes du 1839 s'en vont. Voilà. Regardez la voiture de location. Elle a une heure. On va les filmer en train de s'embourber. Ouais, on va les filmer en train de s'embourber. Et s'il faut, on ira les sortir avec le 4x4. Ah, je savais pas que les Twingo ils les avaient fait en propulsion maintenant. Ça va Yo-Yo, t'en chies pas un peu? Chouchou, tu pourrais pousser? Je filme, tiens. Je pensais que c'était que dans les films, moi, qu'on voyait ça. Regarde-moi, regarde, c'est partout. Va t'appuyer avec ta coquille. I like happy song, happy song. Bon bah là le pont est toujours en construction et là ils essayent de faire un genre de renfort. Donc comme ils n'arrivaient pas à le mettre, du coup hop, ils se sont encore servis de la poulie de mouflage. Là-bas, Jérém aux commandes et Yo-Yo au renfort. Attends qu'on arrache l'arbre. L'arbre il passe, il casse là-bas. Ça casse là-bas. Vas-y. Putain, il n'y a plus grand chose là. Attention tes doigts, Yo-Yo. Vas-y. Encore un peu. Encore un petit peu. Alors pourquoi on l'a mis maintenant? Parce que là, maintenant, on va mettre toutes les traverses. Et on s'est dit que c'est plus pratique, on est plus à l'aise. Quoi. Donc là, on va aller chercher des gros tire-fonds. Avec un embout exprès, puis on va mettre tout ça à la boulonneuse et une grosse mèche à bois pour rentrer tout ça dans le chêne. Là, on ne met pas de ficelle, hein, parce que c'est un pont poids lourd. Ouais, donc sauf avant de partir, il faut me désembourber. T'as été embourbé? Ouais. Oh là là. Dans le chemin, là, la voiture, elle est là, là juste là. C'est pas possible. Ça va pousser? Attends, est-ce que je vois l'arrêt? Bon, ben, ça va être la fin de cette vidéo. Hein. Vidéo encore assez longue, mais vous avez vu, il y a énormément de choses à vous montrer. On se donne rendez-vous quand, Yo-Yo? Vendredi.
pour la prochaine vidéo. Il sera encore là vendredi. Est-ce qu'on aura fini ce pont vendredi? Ah ben il faut, mais je pars jeudi. Tu pars jeudi? Donc il faut que ça soit fait ou vendredi. On peut tirer jusqu'à vendredi. Ah, ou alors dimanche. Il faut pas. Après, eh ben, on va possible. Faire ce qu'il faut pour qu'il soit fini vendredi, pour que vous puissiez voir et pour qu'on puisse enfin s'en servir, quoi. Sachant qu'après, bien entendu, il va falloir qu'on mette de la terre. Mais là, on a des gros tas de remblais, en fait. Il y a des gros tas de galets. Ils avaient dû enlever ça avant. Je ne sais pas comment ils avaient fait ça à la main ou une machine. On s'en servira pour faire des rampes pour pouvoir rouler sur les rondins. Parce que le pont, il est assez haut de base. Mais il fallait qu'on garde de la hauteur pour laisser un libre passage à l'eau quand la rivière va commencer à gonfler. C'est déjà un bon début. Et s'il vous plaît, les bandits qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est très important, c'est gratuit. Il y en a plein qui ne sont pas abonnés, qui regardent des vidéos tout le temps, qui sont hyper fidèles. Abonnez-vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'abonnement, c'est juste, il faut créer sa petite chaîne pour que vous puissiez vous abonner. Mais tout ça, c'est totalement gratuit. Voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous, mettez un petit pouce et regardez nos vidéos. Gros bisous, à bientôt, bye bye. Léo, tu dis au revoir. Au revoir. Hey, tu dis au revoir. Au revoir. À bientôt. J'étais obligée de vous filmer ça. Regardez-moi ces burnes. Ils ont emprisonné la sangle. Elles étaient trop bien. En plus, on n'en a pas beaucoup. Faudra la couper. Non, non, c'est pas possible. T'aurais bien les poules. Ah non. Tu vas te faire mal au dos, ouais. Ah là là, c'est pas malin ça. Comment on fait maintenant ?